En cinquième primaire, au cours de géographie, on nous posait une question. Quel est le pays africain où l'on ne pouvait pas mourir de faim? La réponse était le Congo belge. Deuxième question, pourquoi? Eh bien, parce qu'au Congo belge, quand il pleut au sud et qu'on y sème, c'est la saison sèche au nord et on récolte. Et quand on sème au nord, on récolte au sud. Et en plus de cela, il y a une bande centrale où l'on peut récolter toute l'année. Le résultat, c'est que c'est un pays, un paradis, où on ne peut pas mourir de faim. Mais la réalité actuelle, c'est un peu différent. Ici, nous n'avons presque rien. Presque rien. Nous n'avons que une assiette, une cuillère, une marmite pour la préparation. Rien, rien, rien. La mendicité, c'est le moyen de vivre des handicapés aïrois. La mendicité. Quand tu ne mendies pas, on ne mange pas. Quand tu ne mendies pas, on ne s'habille pas. Quand tu ne mendies pas, on ne fait pas instruire l'enfant à l'école. J'ai des affaires qui chôment par manque d'argent pour payer les frais scolaires. Nous sommes totalement abandonnés. Abandonnés depuis longtemps. Puisque l'État ne parvient même pas à nous offrir un tricycle. Un tricycle qui coûte moins cher. Ça, le tricycle, ça coûtait 750 zaïres vers 81. Aujourd'hui, le tricycle coûte 2 450 000 zaïs. Un handicapé qui ne travaille pas, où trouver de l'argent pour en avoir? Nous vivons dans des conditions vraiment très difficiles. Vous avez vu notre environnement, elle est malpropre. Nous n'avons pas droit à la vie, enfin, la voix au chapitre. Nous avons demandé au gouvernement de protection, ce qu'on appelle protection civile. Donc, les gendarmes, soit les militaires, pour la protection d'entreprise. C'est comme ça que vous voyez, il y a des militaires maintenant qui sont à notre disposition. Il est bien serré quand même.
Vous savez d'où vient ces rues là? Thaïlande. Vous avez déjà remarqué les stocks de café là? Je suis moi-même fondateur de groupe qui porte mon nom. Société commerciale et industrielle Bemba, Sibé Zaïre. Je suis moi-même créateur de tout ça. Bon, je porte là le titre de PDG de ce groupe. Et en même temps, ma qualité de président du patronat. Président de l'ANESA, qui est Association nationale de toutes les entreprises du Zaïre. C'est le patron de patron, comme vous dites. Jacques, bonjour. Il faut savoir bien gérer ses affaires. Connaître bien d'abord le pays. C'est très important. Avec l'histoire, parce qu'elle est allée au département de l'agriculture. Moi, je peux me prétendre parce que je suis un homme qui a commencé à bas âge. Pour arriver à ce que je suis, donc je connais très bien le Zaïre. Là où j'ai lancé des affaires, je savais très bien où j'allais aboutir. Hein, dire que le secret, il n'y en a certainement pas, mais tout homme d'affaires dira il faut d'abord savoir bien gérer ses affaires. On ne gère pas que l'africaine. On gère aussi d'une façon internationale. J'essaie de gérer mes affaires autant qu'homme d'affaires américain et européen, ou n'importe qui. C'est quoi? C'est Bokara qui va partir là maintenant? Bokara, il va à Kula Businga et Banza à Chosa Bumba. Avec quelle belle? Celle-ci? Lola 1 et Lola 4 pour. Lola 1 à Kula, Lola 4 à Businga et Banza à Bumba, Lissala. Nous approvisionnons l'intérieur. Ces pousseurs vont avec les barges. Pour approvisionner les plantations et nos magasins à l'intérieur pour le bien-être de la population. Et au retour, ils amènent alors le café, le maïs, d'autres produits pour la consommation ici, pour l'exportation. Et je voudrais un jour participer par ma voix au sein du Parlement, par ma voix. Que ma voix soit écoutée au sein du Parlement pour dire ce que je pense, pour participer, disons, au développement du pays. Il est évident, il faut chercher la démocratie. Et vous savez vous-même, vous ne pouvez pas obtenir l'entièreté de la démocratie en peu de temps. Il faut donner le temps pour que la démocratie se mette en place. Il faut laisser les Africains s'organiser. Nous sommes sur le chemin. Le train est sur le rail. Il faut que nous puissions préparer. La démocratie ne veut pas dire il faut brusquer les choses, il faut pousser rapidement ou quoi. Non, nous risquons alors de casser la figure. Nous risquons alors de casser la figure. Parce que là, tout le monde veut faire la démocratie, enfin, veut avoir la démocratie rapide, veut faire la politique, croyant qu'en faisant la politique, on arrive vite à la démocratie. Non. La démocratie, c'est toute une organisation. Entre-temps, l'économie se dégrade. Et on décourage les gens à venir investir. Un homme d'affaires, un opérateur, c'est un animal qui a vite peur. Hein? Hein, vous savez, il ne faut pas attendre un coup de fusil, lui, il part. Il veut aller investir dans un pays où il a la tranquillité, la paix. Oui, Sensei, qui téléphone à toujours le petit mango. Tu m'as gardé aussi. Il a toujours un autre. Tu m'as gardé pris. Bien, tu t'en sais. Ça n'est pas chez vous, là, madame. Ah, d'accord. Non, non, mais on voulait savoir s'il avait déjà le cours de chant. Oui, d'accord. Ok, il va nous communiquer, alors. Merci. Je ne suis pas raciste.
Je ne suis pas raciste, alors vous voyez que je touche moi. J'ai des Portugais, j'ai des Belges, Français, Zaïrois, tout confondu, de toutes les régions. L'évolution des Zaïres peut être décrite comme se déroulant sur quatre périodes. Et chacune des périodes est représentée par un personnage. La première période, c'est l'homme qui parle de liberté, de démocratie, de bonheur. Et elle a débouché sur l'indépendance avec Lumumba. L'indépendance ayant mal tourné, c'est le désordre partout. Puis le lion est venu s'imposer, s'est tombé, et il n'a parlé que d'ordre, remise de l'ordre. Après cette période, cette deuxième période, nous avons la troisième avec le léopard, qui parle comme l'homme, mais qui est un félin, donc qui impose une discipline de fer. Et cela lui va lui permettre de durer des années et des années. Et le léopard, c'est Mobutu. La quatrième période, c'est celle que nous vivons maintenant. Mobutu est arrivé et le léopard est arrivé à la fin de son cycle. Commence le cycle du serpent. Le serpent, c'est les services de sécurité et tous les gens qui ont collaboré avec lui pour imposer la dictature et maintenir la dictature. Et le serpent n'a pas beaucoup de finesse. Il va essayer de serrer et de serrer et de serrer jusqu'à ce que l'homme se révolte et commence à reparler encore de démocratie, de liberté. Et c'est ça que nous sommes en train de faire actuellement au Zaïre. Oui, président. Bonjour, président. Ah, bonjour, ça va? Ça va, président. Comment ça va? Comment ça va, président? Ah, président. Ça, président. Alors, problème, quel problème? Président, je crois que notre budget. Votre budget. Vous êtes annuelle de la contribution. Donc ici c'est l'horizon 2000, hein, vous comprenez. Ça c'est. Vous allez basculer dans le cahier. Voyez comment notre ministère de nous aider. Oui. Oui, quand même. Pas comme d'habitude. Notre nom est déjà là, je crois bien. Non, pas encore passé cahier. Mais dans des anciens cahiers, oui, oui, oui. Oui, dans les anciens cahiers d'origine de gel. Ah bon. Bon. Comme ça alors, bon. Je vous remets quelque chose aujourd'hui. Bon. Et vous mettez sur le cahier. Au nom de l'horizon 2000, hein. Au nom de l'horizon 2000. Oui. Et ici, qu'est-ce qu'on a dit? Les industries remettent 2 500 000. Oui. Non, ce n'est pas une industrie, c'est un magasin seulement. Mais vous êtes le nom de notre le plus volontaire. Non, ça c'est un magasin, vous comprenez. Alors, je vous remets 500 000 Zaïres. Ça va faire. Vous êtes plus. C'est bien. Ça, c'est pour s'il vous plaît. 500 000 Zaïres pour la communauté des handicapés du Zaïre. Merci. Ça va. Mais vous savez qu'il y a depuis le 23 et le 24, il y a eu pillage. Il y a du pillage. Bon, depuis cette date-là, nous traversons une période vraiment de grande crise. Eh ben, la crise est pour tout le monde, hein, papa. Mais papa, est-ce que vous avez au moins un petit moyen, puisque vous arrivez quand même, vous atteignez quand même votre bureau. Oui. Avant de donner aux étrangers à la société, on donne aux travailleurs de la société. Les travailleurs de la société n'ont pas été augmentés. Donc, avant de donner aux autres,
on donne aux siens. Hein? Si toi, tu as des enfants. Hein? Oui, j'ai... Tu as des enfants. J'ai 4 enfants. Tu as 4 enfants. Ouais. Donc, il y a un passant qui passe là, sur la route, et qui te dit, j'ai faim, tu lui donnes à manger, tu ne donnes pas à tes enfants. C'est à vous de nous aider, vous qui avez des moyens. Toi, tu dois m'aider aussi, tu ne m'aides pas. Bon, ça va. On ne doit pas m'aider, moi, je dois t'aider, non? Si vous nous mettez dans de bonnes conditions, nous allons, à notre tour, vous aider. Comment? Par exemple, nous avons des relières parmi nous ici, il y a des relières. Des relières? Il y a des relières. Je n'ai pas de livre à relier, et puis... Bon, vous avez un bureau, ouais, que vous utilisez des papiers, ouais. Vous avez des quand même à expédier ou à recevoir. Ouais. Ça, c'est la poste. Hein. Comment? Ça, c'est la poste. Hein, qui... Non. Non. Il avait un problème. Oui. Vous devez faire valoir vos droits, oui, à vos problèmes, oui, et pas par la charité. Vous avez droit, comme tout le monde, à avoir du boulot, à avoir des indemnités. Mais en Europe, les chômeurs, ils ont une indemnité de logement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont battus pour l'avoir. Eh bien, il faut réclamer. Mais nous réclamons quand même, mais eh ben, on continue à réclamer. Mais la charité, comme je dis toujours, la charité entretient la misère. Vous n'avez pas besoin de charité, vous avez besoin de justice. Alors, lutter pour la justice, c'est pas pour la charité. Parce qu'il y a toi. Vous êtes handicapé physique, d'accord? Oui. Et tu as vu tous les autres? Ce sont des handicapés mentaux, beaucoup, hein? Certainement. Alors, et eux, on va pas les aider? On doit aider tout le monde avec quoi? Mais c'est pas pour tout le monde, c'est pour l'association. Les curés sont là pour ça. Pour aider les gens, tu as les curés. Alors vous allez chez les curés, eux ils vont vous aider. Mais les chacun curés, fait son travail. Nous avons chez vous. Eux travaillent pour Dieu. Dieu va te donner. Dieu il est bon, il est puissant, il connaît tout. C'est grâce demande à Dieu. À Dieu. Non, mais c'est grâce à Dieu que nous vivons. Vous êtes aussi l'un des créatures de Dieu. L'une des créatures de Dieu, si je voudrais bien dire. Hein? Moi, je suis vers la créature de Dieu. Bon, ça va. Je ne donne pas. C'est la première fois que vous nous recevez à bord. Mais non, je vous ai toujours chassé. Vous nous avez toujours chassé, les gendarmes. Je te chasse aujourd'hui encore parce que le jour où vous avez volé les souliers de la sentinelle. Vous avez volé les papiers là-bas. Alors, c'est vous, les handicapés. Terminé. Vous ne donnez pas. Les cercueils double couvercle. Cercueil double couvercle. Ils sont où? Double couvercle, double pied. Il y en a en stock. Pourquoi vous faites ça? Les lattes de vitre, on peut en fabriquer. Hein? On peut même en bricoler s'il faut. Hein? Tu mets un peu moins de clous. Hein? Un cercueil, ça s'utilise une fois seulement. Hein? Donc même si ça ne tient pas pour toute une vie, hein? Ça doit tenir pour toute une mort. Donc ça veut dire pour pas longtemps. Ok. Alors tu mets un peu moins de clous et tu supprimes la coque froide. Ok. Mon métier actuellement à Kitambo, c'est la fabrication des cercueils et la vente des cercueils, location des véhicules de transport pour enterrer les gens. Hein? Avant, on faisait les meubles, mais vu la crise, les gens qui achetaient les meubles étaient de moins en moins nombreux. Alors on s'est rabattu sur ce qui pouvait encore être rentabilisé ici. Hein? Et comme la mort n'arrête pas de se développer, on s'est mis dans la pompe funèbre. Ceci afin de ne pas mettre tous les travailleurs à la porte et de se reconvertir. Donc on a gardé les menuisiers qui faisaient les meubles de luxe, hein, et on a fait les cercueils. Mais le problème n'est pas pour nous, qui sommes quand même des commerçants, le problème n'est pas qu'il y ait beaucoup de morts, le problème est-ce qu'on pourra continuer à payer les cercueils. Parce que la crise économique s'approfondissant, ben, il n'y a plus moyen. Les gens ne peuvent plus. Quel cercueil tu as besoin? Madame Moni, non? Oui, Madame Moni. Mais ce n'est pas pour moi. C'est pour qui? C'est pour mon petit frère. C'est pour ton petit frère. Ah. Bon, ben, on va te faire la facture. Hein? C'est ça. De toute façon.
Non, t'as déjà choisi. Une réduction encore. Genre, non, normalement, on augmente les prix lundi. Parce que tu dois encore avoir le transport. Oui. Écoute, on va d'abord faire la proforma, on fera la réduction sur le total. Hein? Mais il paye tout de suite. Ben oui, il peut payer tout de suite, mais il faut d'abord qu'il sache combien il doit payer. Hein? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin du cercueil. Tu as besoin de la croix et du transport. Le transport, c'est de où à où? D'ici à Kitambo jusqu'à Kintsuka. Kintsuka ou cimetière Kitambo. Ouais. Bon, mais ça va, on va te faire la proforma d'abord. Hein? La ça réduction va. Sur le total. On peut hein? commencer d'abord ça va. Faire la proforma. Ah, donc Kitambo Kintsuka. Il faut commencer par Kitambo parce que c'est plus près ici. Ah, l'hôpital de Kitambo. Bon. Jusqu'à Kintsuka, c'est 1 440 000. Ah. Là. Hein? Je vais lutter à pied. Mais oui, il faut lutter à pied. Aller déposer à pied. Et Kitambo jusqu'à Kitambo. Jusqu'à Kitambo, c'est combien? Le retour, c'est toujours à Kitambo ou bien au. Le retour, c'est où? Après l'enterrement. Kitambo toujours. Puis nous allez, retour, et puis vous profitez du 480. C'est à Mornay, hein? Ou donner seulement le. C'est à Mornay? Mornay, oui. 50 cm. Donner seulement le cercueil avec la croix. La croix. Alors, les transports, je peux la profiter des taxis. Ça va. Moi, je n'ai pas de problème avec les aéros. On a les mêmes problèmes, sauf que moi, j'ai des problèmes de patron. On vit la même situation, on vit la même crise, et chacun essaye de s'en tirer, hein, et de supporter une situation qui n'arrête pas de s'aggraver. C'est tout ce que je peux dire. En se demandant de quoi sera fait demain et si ça pourra un jour s'améliorer. Mais les causes de la situation étant toujours là, il n'y a pas de raison que la situation n'arrête pas de se dégrader. Alors on fait le gros dos en attendant des jours meilleurs. Tous, y compris les travailleurs, y compris le patron, y compris tout le monde. 5 là-bas. Oh, papa. Non, où est le papier? 5 500 aidés. Seulement. Ah ouais. C'est pas grand chose, hein? Non. Bon, tu as fait la nouvelle structure des prix, là? Oui, c'est ça, tenez la fête. Hein? Bon, ça fait combien d'augmentation? 50%? Un peu plus 50%. Bon. Applicable quand? Lundi, alors? Hein? On doit appliquer ça le lundi. Lundi. Et puis, pour la semaine prochaine, tu fais les 80%. Oui, oui. On va augmenter tout le passé. Il y a le prix qui augmente. C'est le carburant qui est autour. Oui, on verra, hein, si on a encore des clients, si on n'en a pas. Ah. Donc on a fait combien? 5 500 000 euros. 5 millions. Non, 6 millions 4. Il y a encore 6 millions 4, ça fait autour du jour 3 200 francs belges, chiffre d'affaires. Ah. Bien tourné en faillite, hein. Ah, les matières premières, les salaires, les frais, hein, pour arriver à faire 3 200 francs belges sur une journée, avec 25 travailleurs. Bon, nous, on vit avec la mort tous les jours. On voit les gens qui meurent tous les jours, tout doucement, de faim, par une violence douce qui les écrase.
On sait que les enfants, même les enfants des travailleurs, mangent une fois tous les deux jours parce qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen de les payer bien. Alors, on vit avec la mort qui rôde tous les jours, qui est là. Alors, mort violente ou mort non violente, c'est toujours la mort. Et le choix n'est pas entre mourir ou ne pas mourir, mais de quelle mort allons-nous succomber, si tu veux. Alors, bon, ben, si c'est demain, c'est demain. Si c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Bon, on est fataliste, hein, pour finir. Si vous pouvez payer, hein, parce qu'il ne faut pas payer encore plus à cause des retards. Mais oui, payez. Parce que déjà maintenant, nous sommes débités, on a couvert ça déjà. Vous pouvez payer? D'accord. Voilà, j'ai gagné. Ah non, 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 comment? Quand on a gagné, comme ça, c'est fini. Comment tu as fait? J'étais pris de cesse, non? Hein? C'est la fin. Félicitations, voilà. Bravo. Ah ben, voilà, c'est mon jour, aujourd'hui. Que ça représente pour vous, président? Ben, une détente. Une détente, parce que vous voyez, avec tout ce qu'on fait, il faut se distraire un peu. Et pendant que je jouais, je ne pensais qu'à mon jeu, à mon tennis. Sans penser des affaires, ne pas avoir idée des affaires, tout ça, je suis complètement détendu. Vous jouez pour gagner. Ah ben vous avez vu. Il vaut bien jouer pour gagner, parce qu'avec celui-là, c'est un ancien de tennis. Ça fait des années qu'il joue, et puis ça fait des années qu'il joue avec moi. Eh bien, il a voulu gagner, et puis eh bien, c'était le contraire aujourd'hui. C'est comme dans les affaires. Non, les affaires, parfois, on perd. Hein. C'est pas la même chose. Mais le sport, c'est vouloir gagner. Mais en affaires, on essaie de gagner, mais parfois, bon, ça réussit, c'est des risques. Hein. Tu filmes plus, argent. C'est pas que ouvert. Non, c'est pas que spécialiste. Non. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, tu vois. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais quelque chose à voir de pinier. Combien? Même 500. C'est la guerre. Combien? 500 aïrs. 500 aïrs. 500 aïrs. 500. Ah non, non, non. 500 aïrs fois 10. Fois 10, c'est pas tout.
Non, le chef c'est qui? C'est qui le chef? C'est qui? C'est toi? C'est lui le chef? Oui. C'est lui? Je donne à lui alors. 20 000 c'est tout. 40 000 derrière, ça va? Bon, mais il n'y a plus d'argent, mon cher. Il n'y a plus d'argent. C'est que moi, je t'ai dit. Nous assistons à une crise de confiance profonde entre toute la classe qui dirige et le peuple. C'est comme on dirait dans les cas d'un ménage, quand il y a crise de confiance entre le mari et la femme, eh bien ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'au divorce. Mais il faut de toute façon énormément de temps pour qu'on puisse recoller et que tout puisse marcher. Tant que la crise est là, rien ne marchera. Ainsi, dans notre pays actuellement, le fond du problème, c'est qu'il n'y a pas confiance. Personne n'a confiance dans les autorités actuelles. Tout le monde aspire à un changement. Et même à la rigueur, les gens accepteraient n'importe quel changement pourvu qu'ils nous débarrassent des anciennes autorités. La justice, mes frères et sœurs, être juste, juste. Pebiso basso, toka rampasse pour une injustice. Pebiso basso, toko luka bosala injustice. Et c'est malam. Toko boya injustice, pezo da bosala injustice. Na miso ya nzambe to telemi na enote. Yango wana mokona lelo, bo telema na sika wana, yako luka bo sembo. Esengo na batu ba motema ngolo, ba bo zwa ngolo. Nino ba jeune, bo za indenge nini. Epa na tata na mama, bo tosi bo zali, bo lingi bo zali, na mokona lelo, ba boti ba zayako sala, boye. Ba sali boye, ba buaki. Olo bela mwana boye, mabe. O tinda ye boye mabe, o pusa ekuna mabe, bilenge na ngai. Mobeko na nzambe mozali, memia tata na mama. Izate, soko wa usai mwa loka mabe, tata gange, mama gangeli yo, obandiko silika. Tata soko wa monite, o leki sindelo, alingia tombo ya loboko pa bangisa yo, yo gumbi maboko pa oliba, yaka na bola yo. Bazali. Bazali. Mama,
Kimbanguiste peut se définir d'un côté comme un mouvement purement de lutte contre le colonialisme. C'est comme ça qu'on l'a perçu bien avant l'indépendance. C'était de la résistance contre la colonisation. Et il y a eu d'ailleurs beaucoup de démêlés avec l'Église catholique à ces propos-là. Puis, ce mouvement a eu le tort de s'enfermer chez les Bakongo. Tant et si bien que pendant très longtemps, être kibanguiste et être mukongo, c'était pratiquement la même chose. Le Diangenda, le grand chef, a voulu sortir de cette image-là, étendre le mouvement partout pour qu'il devienne un mouvement, une église universelle, si vous voulez. Et pour cela, il a eu besoin de Mobutu et de son argent. Et Mobutu avait besoin de Diangenda et de sa population et de ses fidèles pour pouvoir maintenir les bas Congo, les bas Zaïre entre ses mains. D'accord.
Dianguenda, c'est comme le chef coutumier, le chef traditionnel. Il est en sa place de par ses vertus génétiques, disons, sa filiation. Il a sûrement une valeur personnelle très importante. Ce même genre de rapport, nous l'avons déjà observé dans certaines sectes, où il y a une sorte d'emprise importante du chef sur les fidèles, qui ferait dire que ce sont des hommes en face de leur Dieu, quoi. Cela se traduit évidemment par le fait qu'il y a des obligations sur les aumônes qu'on ne retrouve pas dans les autres religions. Ils doivent être une des plus grandes puissances financières ici, dans les pays. Eh, sengo na ba oyo ba peto mena moti mapamba te bango ka ba kumana nzamba. Eyo nangai mundi ma papa simo kimbango. Ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi, et le visa. Est-ce que vous allez kubongi saka makamanda yo penza juste nenge ya senga ka? Soko to zala kubongi saka nenge zala kusenga na nabiso e nde vrema kuzala nabiso e senga. Kasi soko bo ningo bozali te. Ozala ka unayo muta mibe kote. Eh, ndenge pe kusala kana yo misala te. Ah. Izana yo pass. Nye nye. Sika sikawa ya solo ndenge tozala kulubila ka. Malamu nde tozala bandimia solo. Tozala le vrai chrétien. Oya kuboma kabatute. Oya kana kuyiba kabelo kabaninga te. Mibeko mizali mibeko malamu nde tose yango. Toka nie eh? Tope sanda kisete solo tuzali bandimi. Totungi mbuka. E, mbala na mbala tokanisi, oyu nazali kusala kawa, mutu moku wazali kumwanangaite. Ubumbani. E pourtant, temwana yo azali. Oyo azali kusurveye yo nuit et jour. Ozala kolala. Ozana katre bilanga. Ozala isikadini ye azali présent. Mais c'est grave. Kimbangi se oye. Nous donne l'impression qu'en tant que chrétiens, ils ont essayé de prendre deux modèles sur lesquels ils se sont organisés. Il y a d'un côté les mouvements salutistes avec l'organisation, l'utilisation des fanfares, des gens habillés militaires, tant et si bien qu'on se demande si on ne se trouvera pas en présence des généraux et des colonels comme chez les salutistes. Et puis après, il y a le modèle de l'Église catholique, avec la puissance immobilière, les aumônes, qui font qu'il y a cet aspect financier qui est très important dans le kimbanguisme, qui en fait une puissance.
Sur le plan économique, nous pouvons dire que nous sommes en présence de deux civilisations. Il y a d'un côté la civilisation des cueilleurs, ramasseurs, et de l'autre côté la civilisation des agriculteurs et des pasteurs. Quand on pose la question, d'où vient la richesse? Le cueilleur ramasseur vous dit de la chance. Je sors de chez moi avec mon fusil, je tombe sur un troupeau, j'abats et je deviens l'homme le plus riche. J'ai un peu de chance, je jette mon filet, beaucoup de poissons, je suis l'homme le plus riche. Je n'ai pas de chance, je peux circuler, parcourir toute la forêt, je n'ai rien. L'agriculteur vous répond, pas de la chance du travail. Un mètre carré vous produit autant de maïs. 100 mètres carrés vous produit 100 fois plus. Et si vous faites des kilomètres carrés, eh bien vous aurez encore beaucoup plus. Donc, c'est du travail. Parce que plus vous étendez votre champ, plus il faudra travailler. Et plus vous aurez travaillé, plus vous aurez de l'argent. Deuxième question, face à l'argent, à la richesse, quelle attitude avoir? Le cueilleur ramasseur vous répond, tu vois, tu prends. Si tu ne prends pas, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre. Tu as vu les animaux, tu les abats. Si tu ne les abats pas, les animaux vont partir ailleurs. En d'autres termes, tu es dans une société à la caisse, tu vois venir de l'argent, tu prends. Si tu ne le prends pas, c'est le PDG ou un autre qui va le prendre. Tu n'as pas à te préoccuper de savoir si l'argent qui va rester suffira pour la société ou... Non, ça, ce ne sont pas tes problèmes. L'agriculteur pasteur vous répond, moi, j'ai travaillé pendant des mois et des mois pour cultiver. Toi, tu vois ma récolte et tu la prends. Non, pas question. Toute chose appartient à quelqu'un. Avant de le prendre, il faut lui demander l'autorisation. L'argent qui est dans la caisse, ça appartient à quelqu'un. Tu ne peux pas le prendre de toi-même. Il faut demander à quelqu'un. Et on peut continuer de la même façon. Le rapport avec la situation. Alors, nous arrivons à la situation. C'est qu'actuellement, eh bien, ce sont les cueilleurs ramasseurs qui dirigent. Ça
formation libère le 3-7-0, autorisé avec Bandi pour le niveau 5-0. Cet avion, comme vous imaginez, m'appartient. Et disons, il appartient à ma société aérienne, CB Airlift. Et quelle est l'utilisation que vous en faites? Ben, vous savez, d'abord, ça me sert pour le déplacement pour mes affaires, où je dois me rendre rapidement dans certains pays, Afrique ou l'Europe ou partout. Comme vous voyez, nous allons maintenant à Guémena où je dois aller visiter la plantation. Et ça me facilite beaucoup. Comme vous voyez, c'est un jet de travail. C'est un avion de travail, disons. Monsieur Louvain, vous pouvez venir là à côté aussi. Venez rester à côté, moi. Ça, c'est bon technicien, ça. Il connaît son travail. On voyez encore, il y a des Belges qui n'ont pas quitté le Zaïre. L'intérieur, ça va quand même. Alors, quand je reviens ici, je retrouve mon enfance, mes ressources, d'où je viens. Vous voyez? Où j'ai commencé, comme un jeune entrepreneur, chez moi, en faisant de petits commerces, grands commerces, plantations, achats de produits de paysans. Et voilà, on est parti. Transport. Et on a développé très rapidement le commerce en gros ici. Hein. J'ai fait ça vite. Dans le fond, on doit dire que vous êtes le seul qui a été honnête. Je l'ai payé. Ah voilà, c'est ça que je veux dire. Payé, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Là alors, quand on a commencé à travailler ici, il faut conduire, hein? Des jeeps, des pick-up, des camions. C'est du sport, hein, conduire. Oui. Faut pas rester toujours derrière le bureau. Région, on vous rappelle des souvenirs de... Ben oui, mon enfance, oui, ma jeunesse, tout à fait. Et puis, vous savez, c'est un peu du sport, hein, on bouge les bras, on... Rester derrière le bureau, écrire et tout ça, et téléphone, et ici, ça change, hein. Sans travail, on ne pouvait pas faire tout ça. Vous savez, vous êtes avec moi, tôt le matin, je suis parti. Dans l'avion, on vient ici en plantation, je me change, je mets en tenue de planteur, parce que là, je suis planteur, là, maintenant. Après, quand j'arrive à Kinshasa, je suis le PDG. Et maintenant, je suis planteur. Je retourne où j'ai commencé à planter des caféiers. Vous savez, il y avait des années où le café était, qu'on disait, l'or vert. L'or vert. Où le café était allé jusqu'à plus de 250 francs belges de café fort matadi. Ça, il a fallu connaître le moment. Maintenant, vous savez combien ça vaut? Entre 20 et 25. Nous avons informé à tous ceux qui sont, quels que soient contre ou pour, qu'ils sachent que le président de la République, Mobutu Sese Seko, doit rester là-bas à la présidence de la République jusqu'à ce qu'il meure. C'est ce que nous, personnes handicapées, nous préférons. Nous savons que si nous ne sommes pas bien entretenus, c'est parce que ces collaborateurs sont des mauvais. Pour nous, représente, quel que soit le père de la nation, il est d'abord le père de la nation zaïroise tout entière. Ensuite, il est aussi le chef que nous devons du respect.
Il est aussi le garant de la révolution zaïroise, le garant de la constitution de notre pays. Quelles que soient de mauvaises, de méchantes langues, nous allons le soutenir jusqu'au bout. Même au prochain présidentiel, nous allons le soutenir. Nous allons le soutenir par nos voix, parce que nous n'avons rien pour le donner. Nous n'avons rien pour le donner. Nous allons tout simplement inciter le membre de nos familles, les frères, le frère, les sœurs, oncles, tantes, nos femmes, les enfants, d'aller au bureau de vote avec un seul nom, celui de Mobutu Sese Seko Kungwendo Azabanga, maréchal. C'est ça que nous souhaitons, nous autres. Yase à Pamba, Avoya Kamoto Teo, Ayamba Kabatonyoso, Tata Yabasaïro, Veya Basaïro, Sarada. Voilà, ça va. Cette bête là. Je suis juste devant. Moi, c'est d'abord ton beau-frère. Je te salue, mec, tu as tout. Merci, chérie. Merci. Kiki, tu sers. Mais ici. Vas-y, tu peux servir. Tu sers à ton beau-frère. Et à moi aussi un peu. Aujourd'hui, je crois que tu mangeras juste un ananas. Moi, ce soir, viens. Mais ton mari ne va pas manger ce soir. Juste un ananas et puis de l'eau, c'est tout, il dort. C'est qu'ils vont dire que les Africains savent aussi bien allumer les cigares. Et pourquoi pas? Parce que... C'est pas un monopole de qui que ce soit. Merci bien, ma chérie. Ok. Moi, je lui ai dit 10 ans de vie avec toi, c'est comme si j'en avais vécu 20, quoi. Il a une vie tellement remplie. Ça, on carbure à du 200 à l'heure bien souvent, mais enfin, c'est agréable, malgré tout. Vous voyez comment on est avec des femmes, la famille maintenant. Le mari, mon beau-frère, son épouse. Ça, c'est vraiment vivre en famille et en détente totale. Et comme j'aime bien mon cigare en main aussi également, à ce moment, ne me parlez pas d'affaires. Mais vous ne craignez pas quand même la semaine qui vient, des événements possibles, de nouveaux troubles? Ben, j'ai eu l'occasion de dire qu'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui prend le risque. Alors, j'ai des gens qui me suivent. J'ai des employés, zéroïs comme étrangers. Alors moi, j'attends s'il y a moindre chose, mais nous sommes là. Vous savez, un entrepreneur, un homme d'affaires, c'est un homme aussi, sur le plan, il est... On a besoin de lui. C'est un homme incontournable. Que ce soit un autre qui viendra demain à la place du président Mobutu, il a besoin de moi. Le président Mobutu est l'ami. Reste mon ami, comme celui qui viendra aussi, que ce soit. Ce sera aussi un ami, parce qu'il a besoin de nous, il a besoin d'un homme comme moi pour son travail. Parce qu'un homme politique qui voudrait écarter les hommes économiques, les hommes du terrain, ben, je ne sais pas comment il pourra avoir la facilité de réussir. Mobutu n'est pas un homme seul. En 26 ans de règne, il a pu pousser des racines dans la population. Ces racines sont de deux sortes. Il y a, sur le plan populaire, il y a tous les gens qui ont été pris sentimentalement devant la grandeur
de cet homme qui était le grand président, craint de tout le monde, redouté, qu'on ne pouvait pas... et qui punissait immédiatement tout manquement contre lui. Il y a, cela, on l'a trouvé dans la population. Puis, il y a, à un niveau supérieur, il y a un encadrement. Cela a commencé vers les années 70, avec la terreur. Les gens ont commencé à faire de l'autocensure, jusqu'à s'interdire d'avoir certaines pensées. Et alors, sur un tel terrain, il a été possible pour Mobutu de se choisir des affidés qu'il a mis, qu'il a placé dans l'armée, qu'il a placé à des postes économiques, qu'il a passé au gouvernement et un peu partout. Tant et si bien que partout, au niveau des dirigeants, des cadres, il y avait des gens qui se disent « Moi, je suis rien, je dois tout à Mobutu. Tout ce que j'ai, je le dois à lui. » Sous-officier, gradé, caporaux, soldats, gendarmes, matelots, parachutistes, commandos, gardiens de paix. Ma pinga y armée et Zaliwana pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. Tozali Bakengeli, bagarde civile, bazali kobenga bango, bagardien de la paix. Gardien de la paix. Moto oyo, boboto, ezali na maboko na ye. Tozali, babenga kabiso, ba agent de l'ordre. Tozali, na mission ya kokamba bato. Bakofuta biso. Pour que nous nous sommes là, nous sommes les paresseux, les tricheurs, Bazali. Sommes là. Nous 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 sommes punir avec amour, pas pour le plaisir de punir. Punir pour corriger. Mais pour la copée, ça passe pas en bataille. Kasi mawa et le kate. Je répète, mawa et le kate. La pitié ne fait pas la force des armées. Discipline, ezala. Bolingo, ezala. Ba melibangi, ba yebazali na éducation, ya mabe, esika et kozala lsusu na kati ya armée, te. Ezali ekundete, armée ezali ekundete. Tozali na armée pour na kotia mobulu na mboka te. Biso to kotia kimia, lokola babengi gardien de la paix, agent de l'ordre. To kobate la population. Thank you.
Éminence et Excellence, ce ministre de la Défense que vous avez été voir a une mauvaise réputation auprès du peuple. Il a la réputation d'être tueur. Moi, je vous rapporte ici ma propre expérience. Le jour où on est venu attaquer certains de mes paroissiens, en tout cas le cas que j'ai vécu, arme au ventre, baïonnette à la gorge, c'était des commandos. Et le jour où, à la fin de la messe de 18h30, on est venu enlever le docteur Kinsala et la femme du docteur Kayembe, après la messe, j'étais présent, c'était des commandos, mais ils étaient en civil. Je crois, Éminence et Excellence, qu'on devrait éviter de recourir, en tout cas pour le moment, à ces agents d'ordre reconnus officiellement pour protéger le peuple, car le peuple répugne justement à ces agents. Je voudrais me permettre d'attirer l'attention sur ce que moi je considère comme la racine du mal dont les manifestations auxquelles nous assistons maintenant ne sont que des conséquences, des émanations. Et cette racine du mal que par pudeur, nous n'osons pas toujours appeler par son nom, par pudeur, par respect humain, par toutes sortes de raisons, nous n'osons pas épingler, dénoncer, c'est tout simplement le pouvoir autocratique qui est exercé dans notre pays, je dirais même pas depuis 25 ans, mais depuis un peu plus longtemps que cela. Le défi pour moi se situe au niveau essentiellement de notre manière à nous, Église, hiérarchique, institutionnelle, les abbés, les pères, et les évêques et les autres, conçoivent le pouvoir. Comment concevons-nous le pouvoir? N'est-ce pas de la même manière peut-être que celle que nous sommes en train de décrier? Je me pose la question. Mes seigneurs, le peuple n'a plus besoin de nos homélies. Le peuple en a marre. Et il a besoin que cette situation soit débloquée. Je vous remercie. Bon, nous allons terminer notre réunion. Je tiens d'abord à remercier tout le monde d'être venu à cette rencontre. L'abbé, au début, avait posé la question si nous devons dire si nous sommes pour le peuple ou contre le peuple. C'est une question, mais je crois que cette question, normalement, ne devrait pas se poser. Vous tous et vous toutes, et moi, nous aussi, ici, si nous sommes là, c'est pour le peuple. C'est pour le peuple. Et nous ne pouvons pas rester insensibles aux problèmes du peuple. Soyez certains, mes frères et sœurs, nous sommes tous là pour le peuple. Vous êtes tout près du peuple. Nous essayons aussi d'être tout près du peuple. Évêque, nous le sommes vraiment pour le peuple. Pour le peuple. Je vous remercie tous. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour que chante ta gloire. Non, 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 non
Nous sommes des bêtes sauvages, nous tuons comme ils veulent. La dictature continue. Lâchement comme ça, c'est pas sérieux. La dictature continue. Ça continue, qu'il continue à nous tuer. Voilà ce qui s'est passé. Un jeune homme de 20 ans qui fêtait comme tous les Aïrois la fin d'un mandat de dictature. La fête s'est passée de minuit aux heures du matin. La fête était déjà terminée. Le long de la grande avenue, les gens se sont alignés pour voir si le mot d'ordre donné par le parti d'opposition a été respecté. Cet enfant se trouvait parmi ces enfants-là. Et à cause de ça, un militaire l'a appelé. De peur, parce qu'il a vu le militaire armé, il s'est retourné. L'enfant a voulu fuir. Et le militaire a tiré sur lui à bout portant, à sang-froid. Et ce militaire est là, il circule encore jusque maintenant. Et nous le voyons. Il m'a pas dit.
population après l'indépendance a connu une période de troubles de 5 ans dans laquelle il y a eu énormément de morts, énormément de destructions, énormément de monstruosités qui ont été commises. Et la population ne voulait pas qu'elle revienne. Le plus important, à mon avis, c'était une aspiration profonde de la population à la paix. Et cette aspiration, nous la retrouvons jusqu'à maintenant. On préfère même la non-violence, on préfère tout ce que vous voulez, plutôt que de verser le sang de l'homme.